Suite au départ tragique de Jean Papin, passionné de belles voitures, organisateur du Valette Motor Show notamment, ses amis ont décidé de créer un rallye auto en son honneur. Alors le rallye Jean Papin, ça va être le rallye du cœur. Voilà, c'est un rallye que nous avons un petit peu improvisé avec l'ancienne équipe du Valette Motor Show, de façon à penser à Jean, tel que nous avons fait le Valette Motor Show pendant une quinzaine d'années, c'est-à-dire sur le partage, sur la joie et sur l'humour qu'avait Jean. Et comme tout le monde et tous les gens qui l'appréciaient, et sur la générosité. Alors ce rallye, en quoi ça va consister exactement? Alors ce rallye va partir de Valette, comme on avait l'habitude de le faire avec Jean quand on organisait le Valette Motor Show pendant pas loin d'une quinzaine d'années. Ensuite ce rallye va aller se promener du côté de la chapelle Basse-Mer, faire la Divate et tout ça. Puis le midi, faire étape ici, au château de la Bidière, où nous allons partager un repas en rigolant et en ayant l'humour qu'avait Jean. On peut résumer Jean Papin en quelques mots. Oh, si on peut résumer Jean Papin en quelques mots, c'est beaucoup d'humour, tout le monde le savait. Ceux qui le connaissaient plus savaient que c'était le partage, la générosité et que c'était le don de soi-même en permanence pour faire le bonheur des autres. Voilà monsieur le maire de Valette, alors aujourd'hui c'est la fête donc pour Jean Papin. Tout à fait, belle fête de toute façon parce que Jean le mérite et effectivement symboliquement parlant c'est important de marquer sa mémoire. Donc à ce titre j'ai proposé aux organisateurs de la journée, qui a été un petit peu improvisée bien évidemment avec l'événement tragique, de penser à pérenniser ce genre de manifestation une fois par an sur la ville de Valette. On serait heureux nous de les accueillir régulièrement pour marquer effectivement la mémoire de Jean régulièrement. Alors Jean Papin c'est un personnage, il a marqué la ville de Valette je suppose. Jean, c'est un personnage inévitable sur la ville de Valette. C'est un monstre de l'organisation, c'est un monstre de générosité. Donc, effectivement, pour nous, les Valetais, c'est une personnalité, c'est un personnage qui reste gravé dans les mémoires de tous, obligatoire. C'était un homme courageux, généreux? Oui, tout à fait. Jean, je pense qu'il a largement œuvré pour toutes les manifestations sur la collectivité, mais également à travers des dons humanitaires. Je pense que la banque humanitaire du Palais a largement profité effectivement de sa participation. C'est un garçon qui aimait se déguiser, qui aimait faire la fête, aimait s'amuser et qui effectivement était le reflet d'une générosité pour donner du plaisir. Et c'est ce qui est à besoin de ça, on a besoin de ce genre de personnage. Alors même si quelquefois il y a eu quelques pleurs, eh bien c'est quand même aujourd'hui Jean qui rit. Complètement, c'est Jean qui rit, mais Jean c'était ça. Jean c'était à la fois un garçon plein de sensibilité, plein d'amusement, mais qui au fond de lui-même avait probablement un peu de tristesse, mais ne le montrait jamais. C'est un garçon qui était dans la générosité, qui organisait, qui était dans le bénévolat à part entière, et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. On a besoin de ce genre de personnage sur une collectivité. Et lorsque l'un part, c'est toute la collectivité qui pleure. Voilà, donc le représentant de l'Amicale des Vieilles Passoires. L'Amicale des Vieilles Passoires, l'AVP, conçue par Jean, toute l'équipe de bras cassés qu'on était, on s'en est la gueule, donc on était toute une équipe, tout le monde était président. Et on était président pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, le président fallait qu'il fasse une petite balade de sortie de moto ancienne. Donc on faisait une sortie de moto ancienne. Au bout des 3 mois, on se réunissait chez le président et toutes les réunions démarraient que quand le vin, la terrine de pâté et le pain étaient sur la table. À partir de là, on pouvait commencer à faire notre réunion et on rigolait jusqu'à des heures pas possibles. Et à la fin de la réunion, on faisait un petit vote pour le nouveau président en fait. On était tous futurs nouveaux présidents de l'Amicale d'AVP et c'était avec Jean. Alors Michel, tu es le shérif là, quel est le lien avec Jean Papin? Alors avec Jean, on a fait plusieurs rallyes depuis une bonne vingtaine d'années ensemble. Je l'ai connu donc sur un rallye voiture, voilà. Et lors du rallye aussi, il y a quelques années, Motor Show à Valette. Et il y a des grands souvenirs de Motor Show? Ah oui, des grands souvenirs, des bonnes fins de soirée et des bonnes fins de journée aussi. Hein. Voilà. C'était un bon Jean. Ah Jean, oui, c'était un bon rigolo, toujours le mot pour rire. Bon, on le connaissait un petit peu sur les rallyes avec son pistolet là, à eau, de temps en temps, ses voitures plus ou moins publicitaires, tout ça c'était un personnage. Une manifestation qui a également le mérite de rassembler des amateurs de voitures anciennes.
Et les voitures anciennes, c'est le rêve ? Ça fait partie de l'histoire de l'automobile et c'est magnifique de voir encore des anciennes rouler actuellement, même en balade comme vont le faire certains demain. C'est tellement beau de voir ces autos dans un état de qui est parfait. Certaines ont été rénovées, d'autres pas. Elles restent dans leur jus, mais elles ont une histoire et c'est magnifique de pouvoir encore les voir rouler sur nos routes. Immortalisé par un peintre d'exception. Je suis, c'est vrai, peintre spécialisé dans l'art mécanique, peintre officiel des 24 heures du Mans. Pourquoi ? Peut-être parce que je suis né au Mans, à deux pas du circuit, et en plus né le jour de la course. Ça suffit peut-être, hein, c'était ma destinée. Ces peintures, ça représente des émotions, ça représente des souvenirs. Mais disons que c'est pour moi ma vision de l'automobile, c'est-à-dire c'est pas simplement illustrer une carrosserie automobile, mais c'est plutôt la voir avec un regard d'artiste qui va poser une lumière dessus, faire jouer les reflets, les brillances, les transparences, et puis raconter la relation que peut entretenir l'homme ou le pilote avec sa machine. Retour du rallye quant à lui au château de la Bidière, dans la bonne humeur, pour continuer cette journée mémorable en attendant 2017 pour la deuxième édition.